محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر إخوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما الصبان Hilf al-Fudul, le pacte anti-abus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté à Hilf al-Fudul, le pacte anti-abus, alors qu'il était âgé de 15 ans. L'historien Ibn Ishaq, dans sa biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a évoqué la raison du nom de ce pacte anti-abus, Hilf al-Fudul. Il raconte que les clans de la tribu de Quraysh, c'est-à-dire les Banu Hashim, les Zohra et les Taïm, avaient pactisé entre eux. Ils s'étaient réunis chez Abdullah ibn Jud'an, car il était un homme de haut rang et était très âgé. Ils prêtèrent alors serment de soutenir les causes justes et de protéger tout opprimé parmi les habitants de Mecca et les visiteurs qui s'y rendent, mais aussi d'aider l'opprimé contre son adversaire jusqu'à lui restituer son droit. C'est ainsi que les Quraysh appelèrent ce pacte Hilf al-Fudul, qui signifie le pacte contre l'abus. Ibn Ishaq rapporte dans sa biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne chaîne de transmission que d'après Talha ibn Abdillah ibn Auf al-Zuhri a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai assisté à un pacte dans la maison de Abdullah ibn Jud'an et je n'aurais jamais refusé d'assister à ce pacte, fût-ce contre un troupeau de chameaux rouges. De plus, si j'avais été invité à un pacte pareil dans l'islam, j'y aurais répondu sans aucune hésitation. » L'imam Ahmed rapporte dans son Mousned, d'après Abdurrahman ibn Auf, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « J'ai participé avec mes oncles à la conclusion du pacte de Hilf al-Mutayyabin alors que j'étais un adolescent et je ne voudrais transgresser ce pacte même en échange de précieux chameaux rouges. » عن تسع نسوة وفاة المصطفى كل